Hey les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fallout 3 et directement continuer notre partie. Tac. Ok. Et on était ici. Ok. Ok. Hop. Thank you.
Ah putain, ça me fait chier là. Thank you.
Oui, c'est pour ça que j'ai pris la Gatling, je me souviens.
On va avoir besoin d'être très patient.
Un minimum que je puisse déposer tout ça à la base, parce que là putain.
Putain, ça c'est trop chiant. Mais ça venait d'où, ça ? Attendez, est-ce que... Stella Skyfire au rapport. C'est le second du Capitaine Cosmos, du moins dans les premiers épisodes. Je crois que j'ai réussi à viser ce vaisseau, mais il va falloir trouver la commande de tir. Quoi ? On dirait que je suis à la barre. Je vais trouver à quoi correspondent ces commandes en un rien de temps. Oui ? Bon sang, je n'en sais rien. Un brouilleur de téléportation, peut-être ? Ouais, il y a ce genre de truc sur les vaisseaux spatiaux, pas vrai ? Ouais, bien sûr, un brouilleur de téléportation. Hein ? Si ça peut nous permettre à tous de survivre, alors oui, avec plaisir. Hein ? J'utiliserai bien un de ces Steam Packs, si ça ne vous gêne pas. Hein ? Oui ? Tout va bien pour l'instant, j'ai l'impression. Ça devrait nous aider à gérer ces enfoirés qui se téléportent à bord. Oui ? Entendu. Quoi ?
Comment savoir? C'est un vrai chantier, ces commandes. Quoi? J'y travaille, d'accord? Quoi? Je vous emmerde, vous et cette situation à la con. Ça marchera quand ça marchera. Quoi? Compris. Stella, Skyfire au rapport. Ces boutons pointent sur ce gros blob. Je crois que c'est bon. Waouh! On dirait la passerelle de Captain Cosmos. Soma, là-bas. Monsieur Elliot, vous vous installez là. Paulson, vous pouvez faire Jungles, le singe lunaire. Une saleté de macaque de l'espace. J'ai verrouillé leur vaisseau. Il n'y a plus qu'à tirer. La dernière fois. の狭間にある。
à la tête. Vous savez quoi? Vous pouvez rentrer chez vous! J'ai regardé les commandes de la passerelle, même si je n'y comprenais pas grand-chose parce que c'est écrit dans leur langue bizarre. Mais j'ai vu quelque chose. Et je crois que j'ai appuyé sans le faire exprès sur un bouton pendant qu'on se battait contre ce gros vaisseau. Et je crois que le bouton sur lequel j'ai appuyé a envoyé quelque chose sur Terre. Je l'ai pas fait exprès, mais je crois que c'est plutôt bien. Je crois que vous pouvez maintenant utiliser le téléporteur des quartiers du capitaine pour retourner sur Terre. C'est génial, non? Enfin, je me suis dit qu'il valait mieux vous le dire. On a réussi! On a vraiment réussi! Oh bon sang, j'y crois pas! J'aurais jamais pensé qu'on s'en sortirait! Personne ne vous arrive à la cheville. Sans vous, je serais mort, ou pire! Merci beaucoup. Oh, allez, nous savons tous les deux que vous auriez su vous en sortir. Hein. Je n'en sais rien. Plus rien ne m'attend vraiment en bas, pas vrai? Je ne sais pas si j'y serai vraiment à ma place. Je crois que je vais rester ici quelque temps, voir si je peux comprendre ces technologies. Oh, j'espère bien que non. Mais au moins, on sait comment s'occuper d'eux, pas vrai? Oh, on se... qu'on pouvait y arriver. Je savais qu'on pouvait les battre. Vous assurez encore plus que Captain Cosmos. Je sais. Et j'en suis plutôt fière. Je vais rester un peu ici, je crois. Je pense que ça me plairait plus beaucoup en bas. Et il y a plein de coins du vaisseau que je connais pas encore. Je vais vous dire un truc. Si je trouve quelque chose de vraiment cool, je viendrai vous l'apporter. D'accord? Dis-le. Oui, Captain.
Alors, c'est fait. Je ne suis pas très doué pour les discours. Alors, à charge de revanche. Sans vous, je serais mort, ou pire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais voir si je peux trouver un moyen de quitter cet endroit. Ouais. Ne le prenez pas mal, mais c'est loin d'être un jeu. Toute ma vie a été rayée. Elle a disparu il y a bien longtemps. Désolé de ne pas prendre la situation aussi à la légère que vous. Très bien. Ouais, c'est normal. En vrai de vrai, le gars... ça a niqué sa vie un peu, donc... Besoin de quelque chose ? Il paraît qu'il existe un moyen de quitter Sraphio. Je vais vous laisser passer d'abord, histoire d'être sûr que ça marche, et ensuite, je me tire. Ça, c'est vrai. Sans moi, vous seriez encore en train de pourrir dans cette cellule, ou vous auriez fini sur une table d'opération à la con. On peut dire que vous me devez beaucoup. Je vais chercher à me tirer de cet endroit. Je vais retourner dans les terres désolées avec de nouveaux jouets et peut-être faire mon trou quelque part. Littéralement, s'il le faut. On ne se reverra probablement pas. Alors, je tenais à vous remercier. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Mais je ne tiens pas à repasser par là. Ah, je voulais juste revenir en arrière. Ah, c'était un atomisateur. Là, je pensais que c'était mieux. Je pensais que c'était un blaster. Capitaine sur la passerelle. Tenez,
Vous avez... Et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Amérique. C'est moi, votre président, John Elwood. Je vous ai eu. C'est plus long. Comment ça va? Ah oui, c'est l'heure des infos. Les hommes et les femmes de la confrérie de l'acier continuent à mener le bon combat. Ils ont récemment intensifié les patrouilles dans les ruines du centre de DC en réponse à l'augmentation des activités de nos chefs supérieurs. Serait tombé depuis longtemps. Alors, si vous voyez un chevalier ou un paladin se battre à votre place, remerciez-le. Et mieux encore, donnez-lui des munitions. À la prochaine fois, c'est Twitter. Mais vous écoutez Galaxy News Radio, qui vous apporte la vérité, même si elle est dure à entendre. Et tout de suite, une annonce de service public. Écoutez bien, les enfants, ces annonces sont importantes. À tous ceux et celles tentés par l'idée de faire de la récup dans le centre de Missile, voilà un conseil. Vous voyez, les enfants, les Frankenstein sont capables de vous mettre en pièces. Mais ça, c'est si vous avez de la chance. Selon nos derniers rapports sur les super-mutants, ils préfèrent capturer leurs victimes pour les emmener, mieux seuls c'est. Considérez-vous comme officiellement avertis. Maintenant, un peu de musique. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme... Et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Vous écoutez Galaxy News Radio et je suis Zuidog, animateur, seigneur et maître de la musique et des infos. Dites-moi, les enfants, qu'est-ce qui vous tente le plus, un Six-Eight Louis vieux de deux siècles? Pitman ou Redman? Ça fait un moment que les courageux paladins en armes racistes ont expulsé l'enclave du Jefferson Memorial. Mais le combat n'est pas fini pour autant, les enfants. La confrérie traque les sbires du président Eden dans toutes les terres désolées. Vous savez, deux, trois tirs de laser par-ci, quelques cadavres explosés par-là. Ce serait bien d'en finir au plus vite avec cette opération. L'enclave a causé assez de morts et de destruction. Il est temps qu'on...